Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour une vidéo food puisqu'on est au Annette Dinner, donc au Disney Village, pour tester le burger d'Halloween. C'est parti. Voici le burger, donc il est à 23€ avec les frites. Donc voici ce qu'il y a dedans, je vous laisse lire. Le burger vient d'arriver, il est énorme, il est énorme. Ah ouais, ça va être très bien. Je sais pas comment on va manger ça. Ça va être compliqué. Mais ça va le faire parce que là j'ai trop faim. Trop faim. Il est 16h30. On prend le fait que ça soit de la pâte à bouffe. Ma mère elle m'en faisait des trucs comme celle-là. C'est bon. Ça a même pas le goût de... je sais pas. Ah, c'est un goût trop spécial. C'est des frites de patates. C'est bon, les trucs violets aussi. Et c'est un goût vraiment spécial. Oh, mais c'est trop bon. Ouais, c'est un goût. Ça, du coup, les petits gnocchi. Par contre, ouais, toi, t'en as plein. Moi, j'en ai deux. Ça, je t'enlève. Non, t'inquiète. C'est des genres de gnocchi, des trucs violets. Ou pas, hein. T'as pas le goût de gnocchi pour moi. Des gnocchi froids. Mais c'est bon. On va manger tout ça. C'est vraiment top. Le fromage, le bacon, c'est vraiment bon. C'est un peu, comme a dit le serveur, relevé. Mais pas épicé parce que j'aime pas ce qui pique. Mais le fromage. Il est trop bon, bref. J'ai continué mon repas. C'est trop bon. Trop bon. Trop bon. Du coup, je reviens sur mon... ça pique pas. En fait, si. C'est épicé. Je sais pas qu'est-ce qui est épicé. J'ai mangé pratiquement mon burger en entier. Hein. Il reste un petit morceau. Mais je sais pas ce qui est épicé. Mais au bout d'un moment, en fait, à la fin du burger, ça me brûlait la bouche. Donc voilà. Le seul truc, donc le burger est super bon, un poil épicé qui est pour moi qui suis hyper sensible, pas de problème. Par contre, la petite chauve-souris qui était sur le dessus, on dirait un sablé, mais un sablé que t'as fait tomber dans le four, tu sais. Donc franchement, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais là, moi j'en peux plus, je pouvais plus finir de toute manière parce que j'avais trop mangé. Les assiettes sont vides. Et voilà. Il n'y a pas de place pour un dessert non plus. Et il y a, pour ceux que ça intéresse, il y a la réduction passe annuelle ou annette, donc c'est à moins 15%. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre avec tout le bruit qu'il y a. De toute manière, on se retrouve dehors. Vu qu'on est un peu bête ici, on a oublié la conclusion de la vidéo. Dites-moi si vous avez mangé des burgers d'Halloween à Disneyland Paris et si ça vous a plu, celui du Annette ou du Lucky Nugget. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!